Bon, troisième leçon. Je ne parie pour faire question, mes enfants, forme 5. L'examen forme 5. Yes? Ok. Ben, avant de continuer, finalement, on a remarqué, finalement, rien dans mon vidéo avant. On a besoin de référer à des voix avec eux parce qu'ils sont fait une move dans la vidéo. Donc, nous répondons qu'on est chétés. Hein? Je te dis à qui ça angle, un réflexe angle. Ok? Et mon redessine mon dessin en bas là, 50 degrés, ben si ça 50 degrés nous connaît d'un cercle, right? In a circle, we have 360 degrees. Nous en prenons. Mais si tout ça là, 360 degrés, ça ce bout là 50 degrés, eh bien, ce bout en noir là, qui vient nous calculer là, ben, tout simplement, nous pouvons prendre 360 degrés, retirer 50 degrés, nous pouvons gagner 310 degrés. Donc, nos réponses, c'est 310 degrés. Et, remarquez les affaires. Dans l'examen, le vous trouvez, il écrit ce symbole degré là. Si jamais je pas trop ça dans l'examen, si je te résiste 310, je suis capable de payer 10 points. Alors, mon conseil, c'est d'écrire 310 degrés comme ça, ou bien, oh, je écrire les comme ça 310 degrees. Ok, des points facile, gagner des points. Ok, right. Nous move à notre question. ABC is a square, find the angle X. Right, nous connaît ABC is a square veut dire nous prenons quatre angles de 90 degrés ici là. Ok. Right. Un triangle ça X nous pas connaît, nous connaît ça 90 degrés et ça aussi nous pas connaît. Un big question mark. Pas connaît, hein? Comment nous pas connaît ça? Eh ben, si moi appelle ça la ligne PQ et moi appelle ça A, ça pour une mon triangle A B. Et moi, j'appelle ça S. Mon triangle ABS. Right? Get la ligne PQ. Line PQ is a straight line. Mais qui nous tient pas le straight line? Une straight line, pour une tout le temps 180 degrés. Prends ça, une scale là, il pousse 180 degrés. Veut dire, ça, ce bout là, il peut égal quoi? Il peut égal 180 degrés, retire 159 degrés, qui égale 21 degrés. Donc, l'infini connaît ça, angle là, 21 degrés. Nous connaissons ça, angle là, nous connaissons ça, angle là, et nous pas connaissons ça, là, X nous pas connaît. Mais nous connaissons qui? The sum of angles in a triangle is always 180 degrés. Right, we dire qui 21 degrees plus 90 degrees plus x qui nous pas connaît, l'indien nous calculer tout ça là pour égal 180 degrés. Ben, quand nous faisons nos calculs, les poupines ici 111 degrés plus x degrés égale 180 degrés. Ben, x degrés pour égal 180 et tiens 111 qui égale 69. Donc, angle X is equal to 69 degrees. Puis, non, il est difficile là-dedans. Nous fin applique le principle. Nous fin apply. Qui principe nous apply? Le principle of straight line. And sum of interior angle. On applique ça des principes. Et voilà, nous gagnons la réponse. Pas difficile. Vous trouvez? Bien facile, hein? Ok. Nous gagnons un autre examen encore. Une autre question d'examen, PSAC. Moi, je m'ouvre un petit peu là-haut, là. On gagne un peu l'espace. Ouais. ABCD is a rectangle.
EFG, EFG is an equilateral triangle. Première affaire, nous guettons qu'Elipédia is a rectangle, ABCD. Mais dire 190 degrees, 190 degrees, 190 degrees, 190 degrees. EFG is an equilateral triangle. Qu'est-ce que tu en prends? Première leçon dans shapes, nous tu en prends shapes. Nous tu en prends qui? All angles in an equilateral triangle is equal to 60 degrees. Veut dire ça pour 60 degrees, ça pour 60 degrees et ça pour 60 degrees. Qui nous restait? Nous reste un quadrilatéral ça c'est G ça c'est C ça Y ligne de nous calculer et ça ligne de nous 115 et ça nous fait connaître quand nous connaît qu'il y a un triangle équilatéral nous fait comprendre qu'il est obligé de 100 degrés et bien comment nous find Y we know the sum in sum of all angles in a quadrilateral is equal to 360 degrees. Ça nous connaît 90 degrees. Veut dire y degree plus 60 plus 115 plus 90 is equal to what? 360. Ben y pour égal 360 minus 60 minus 115 minus 90 degrees. 60, 115, 90. Y pour égal 360, retire 265. Comment gagne 265? on fait tout ça 3 là. Ça 3 là. 60 plus 115 plus 90 égale 265. Voilà. Y pour égal 95 degrees. The answer here is 95 degrees. Here you go. Mon besoin de refaire vidéo là parce que mon vidéo se sent finale. Donc, nous connaissons là, hein? Y is equal to 95 degrees. Nous connaissons comment nous gagnons ça. Non. Qui principe nous servit? Nous ne servit que nous bonnes connaissances que nous en prenons avant. Un rectangle en a 4 angles of 90 degrees. Un equilateral triangle. So, angles ensemble en dents, partout besoin 60 degrés. Et puis, nous appliquons le principe de the sum of all angles in quadrilateral, c'est 360. Voilà, nous appliquons les. Voilà, nous gagnons nos angles. 95 degrés. Qui est difficile là devant les enfants? Puis, une fraction, puis une richesse, puis une percentage. Pena décimal, pena sur un affaire là. Nick, ce qui nous a besoin de connaître, c'est ajouter, retirer. C'est tout bon opération nous servit donc pour calcul, pour autre réponse. N'est-ce pas? Qui te dit? Ok, maintenant je ne connais comment faire. Aster, yes! à nous essayer ensemble. Nous servir tout principe qui nous a en avant. Pas difficile ça. Essayez. Ok? Alright. C'est un des voies qui nous sortit dans l'examen Form 5. Ça. Je m'en redessine en bas là parce qu'il y a un peu flou. Il peut dire qu'il y a deux lignes parallèles, une longue 90 degrés ici. Il peut dire que calcule angle I après calcule angle D. Comment nous pouvons faire ça là? Il est bien long des voilà pour long, mais seulement principe reste pareil. Tout principe qu'ils en prennent avant reste pareil. Right.
Nous vous servons beaucoup le principe de straight line avec nous ban l'angle 180 degrés, the sum of the angles in a triangle. Mon fini dire tout. Right. Me dire. Nous guettons un problème. Right. Premier angle, moi, je vais calculer. Moi, je vais calculer ça, angle là. Ça, c'est un straight line, ça. Si ça 50, ça la ligne à 180, ça peut égaler 130. C'est-à-dire, ça triangle, si moi appelle A, B, C, the sum of this angle, ici, là, will be what? 180 degrees. Je vais dire quoi, là? Il pouvait dire ça angle là pour 30 degrés. Right. OK. Si ça angle là 30 degrés, ben, tout ça là, nous connaît les 90 degrés, ça. Mais, si ça bout là 30 degrés, veut dire ça bout là pour 60 degrés, pas vrai? Première affaire, donc this will be 60 degrees. Vraiment, si. Je me réfère à lui. Elle est en ligne droite, ici dans 50, veut dire ici besoin 130. C'est le premier principe non appliqué. Deuxième principe nous appliquer. OK? Ça, un triangle, ça, non? Nous connaissons 630, nous connaissons 620. Ben, l'autre là, pour égal combien? 180, retire 130, retire 20, nous vous gagnez 30. Deuxième. Troisième étape. Nous calculons angle I. Angle I is 60 degrees. Comment nous connaissons ça? Parce que ça coin là, les 90 degrés là. Ça. Ça, petit bout là, là, les 90 degrés là. Mais si ça 30, ben ici pour 60. Donc, nous pouvons gagner une première réponse. 60 degrees ici. Puis non, il est difficile là. Simple. OK. Ouais. Si ça 60, si ça n'a 60 et ça 90, ben ici, il faut oublier 30 degrés qui fait. Again, the sum of all interior angles. Si m'appelle ça, laisse-moi m'appelle ça D. Donc, triangle. Et si D, ça 90, et ça nous fait calculer 60, pour nous gagner 180 en don, ben, ça a besoin 30. Très bien. Je continue. Salanina, this is also a straight line. Un straight line, c'est quoi? 180 degrés. Right? C'est comme ça, là. Il y en a 20 ici. Il y en a 30 ici. Ça nous carré 10 ici. Tout ça, là, pour faire 180, ben, ça peut être combien, là? Ça bout là, là. Vingt, trente, cinquante, 180, tout ça là pour 180. Ben, rabout là pour égal combien? 150. OK. Donc, nous gagnons ça petit bout là, là. 150, ça petit bout là, égal 150. Correct? On bien fait là, non? Non, 130. Il bien égal 130. On va mal ajouter là, moi. Qui l'écoute, moi, là? 10h du matin. Ouf. Non, 1h30 du matin. Ça peut être là pour égal 130. Now. Oups. Pardon. Ça 20. Une fois que trouver. Ça 30. Une fois que trouver.
Et ça, nous trouvons 130. Ben, ça aussi une straight line. Vraiment, si. Une straight line, 180 degrés. Mais si tout ça là, 180 degrés, ben, ça bout là. Pour égal. 50. Comment on gagne 50? C'est 180, retire 130. On gagne 50. Donc, my angle D is 50 degrees. Question d'examen, forme 5. C'est difficile? Moi, pensez que non, ni à pote, en straight line, avec some of interior angles. Les 10, quand on get des voiles, je dis, aïe, m'arrête compliqué ça, get tout ça la ligne là. Mais non, j'avance. C'est ça mathématique. Mathématique, c'est pas venir galoper, venir vite, vite, rentrer dans des voies, vite, 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 vite. Assiser, guetter, réfléchir. Route tout bonne question qui nous disait, on prend avant, get ban properties of triangles, get tout ça, ça fait là, et nous applique nos principes. Quand on applique nos principes, voilà, nous gagnons la réponse. Pas difficile, hein? Nous faisons une autre question. Allez, essayez. Ooh. Hmm. Right. Ça, nous peut trouver un isosceles triangle. Je te rappelle? Pas couillon maintenant, il met ça. Ça, de la ligne parallèle. Je te rappelle? Hein, ben, examineur pas couillon quand tu mets ça. Tu donnes un petit clou. Ok? On connaît là. Ça, c'est un équilatéral. Triangle. Right. Ça, la ligne, là. Une straight line, ça. Une straight line, c'est quoi? 180 degrés. Si ça, 50. Ça pouvait être 130. Si ça, 130, ça aussi une straight line. Si ça, 130, ça pouvait être 50. Nous gagnons 50 ici, non? Ça, 50. And sorry, pas... Ah, c'est un isosceles. Why am I writing this? Sorry, enfants. Isosceles triangle. So, this is an isosceles triangle. Qui nous connaît dans isosceles triangle? Il y a two sides qui sont equal. Et nous n'en prenons que ça angle là. If this angle is 8 degrees, this angle will also be 8 degrees. Donc, et nous connaît the sum of the angle. Mais dire, ça angle A, m'appelle B, plus B, nous connaissons que angle A is equal to angle B. That's what we know. Nous pouvons déjà connaître. Après, nous connaissons que A plus B plus 50 pour égal 180 degrés. Mais dire, A plus B is equal to 180 degrés, retire 50 égale 130. Ben, A is equal to B. If A is equal to B, and then A plus B is equal to 130, mais dire A is equal to 130 divided by 2. B pour égal 130 divided by 2. Both the answers pour donner 65 degrés. Therefore, angle B, nous finissons, actually, nous trouvons angle A 50, et angle B 65. Allez, pensez eux-mêmes. Dis-moi eux-mêmes si faire de tout ça difficile. Dis-moi eux-mêmes si faire de tout ça enormously difficult. Pas capable de faire, aïe, forme 5, ça, continue-moi pour capable de faire des voix forme 5, moi, dans le 6ème, collège, même moi, pourquoi aller à CP, dis-moi faire des voix forme 5. Il est fou, Saint-Michel, là. Allez, dis-moi une goutte. Vrai, même, les difficiles comme ça. Hum? Right. Bon, on efface ça. On va faire. Deuxième partie. Partie C, on va pas faire avec d'autres parce qu'il n'y a pas dans d'autres syllabus. Mais nous calculons angle D.
Ça, il 155 degrés. Et ça, nous pas connaît. Ça, nous connaît les 90 degrees. En d'autres mots, si ça 155, ça a pour égal 25 degrés. Allez, dis-moi qui fait. Parce qu'il y a une straight line. Ça aussi une straight line. Dans une straight line qui est 180 degrés. 25 plus 90 plus 10. 25 plus 90 plus 10 pour égal 180 degrés. 10 pour égal 180 degrés minus 25 minus 90. 180 retire 115 égale 65. Angle D is 65 degrees. OK. Et juste pour moi dire ça, angle C, même si pas dans autre syllabus, mais dans autre réponse, sa réponse est 25 degrés. Ça angle là, avec ça angle là, pareil. Qui fait les pareils, la cause. Ça dit la ligne de la ligne parallèle. Mais je n'ai pas besoin de connaître ça pour votre examen, ok? Bon, pas j'ai le cas de la tête. Pour vous, je connais comment route D, on reste connaître comment route A et B. Ok? Now, ça n'a là. Angle at this point, the brown angle. Combien il était? Again, the principle of straight line and sum of angles in triangle apply the principles. Si tu appliques ça de la loi là, je pourrais s'y trouver sa langue marron là. Right? Donc, suive-moi. Moi, pour expliquer vite, à ce temps. On peut dormir, moi. Right. Straight line, 180 degrés. Ça, pour besoin, égal 80. Alors, les pour égal 5. 45. 105, 180. 75. Right. 75, 45, 75. Fait 115. Ça, pour égal 180, retire 45, retire 75, ça me fait 120, 60. Si ça 60, ça pour égal 120. Right, ça 120, très bien. Ça angle là pour égal 61 degrés. Ça angle là pour égal 60. Ça bout là, là, parce que 180 en cours, là. Et bien, step by step. Right, on commence ici, 45. This is my first step. This is my second step. This is my third step. Then, this is my fourth step. Then, this is my sixth step. Then, this is my seventh step. Now, so far, mon savi qui a fait, mon savi straight line. Now, this bit, on met une autre couleur. Ah, qui fait mon message? This is my fourth. This is my fifth step, and this is my 1, 2, 3, 4, 5, and this is 6, and right, step 1, 2, 6, give me news, when you straight line. Now step 7, what we use, sum of angles.
Now, 60, 61, the sum of this inside this triangle, F, triangle FDC, get bien code F et T, get bien code D et T, code C et T, pour égal 60 plus 61 plus, mot pas connu, égal 180, mot pas connu pour égal 180, retire 121 pour égal 59. Right, this is 59. Step 8. Right. Step 8. Ça bout là. 8. 59. Ici, pour faire 180. Ça bout 111 degrés. Finally. And then step 9. Sum of angles. 180 minus 40 minus 111, we got 180 minus 151, which will be equal to 29 degrees. This angle is 29 degrees. Ouais, il y a beaucoup ajouté, beaucoup retiré. Regarde vidéo là, slowly, comprends-le. Ça, c'est mon step 9. Question d'examen forme 5, ça. Assez de dire moi, vraiment, cause franc. Vraiment, les difficiles. Vraiment, les difficiles, bons enfants. Come on, pas dire moi les difficiles comme ça, tout. Puis nous ne savons pas, c'est des affaires, là, nous ne savons pas, principe straight line, et puis nous ne savons pas, sums of angles, that's it. C'est ce qu'il y en a trop beaucoup de. Trop beaucoup de calculs pour faire, mais qui doit calculer? Ajouter, retirer, c'est tout. Right. Ça, c'est une autre question d'examen. Les work out the angle ACB. Les petits autres calculent ça, angle. Right. Mais pas pour faire les. Non, je suis fatigué, je ne vais pas vous faire lire. Je vais vous faire lire un bout de papier, je vais vous faire une photo, vous autres. Mais avant, pour vous prouver qu'ils ont un bon enfant qui est content, en prenne, right? Je vais vous prouver moi qu'ils ont fait des vols, là. Essayez de faire lire, vous autres même. Essayez de faire lire, vous autres même. Montrez-moi ce façon capable de faire lire. Moi, je vous ai un clou. There's something called a kite. Après, il y a un qui est une diagramme not accurately drawn. Et then kite, je donne un bon clou. Al get mon leçon le kite. Al get a pair of opposite angle. Qui m'a expliqué avant, al jouer mon leçon. Le vous servir ça principe là. Allons prendre qui veut dire, sorry, isosceles triangle. À comprendre le principe dans sa dessin là, deux isosceles triangle, deux ou trois, maybe trois. Ok. Là-dedans, je peux servir le principe de straight line. Moi, pas croire, je peux servir le principe de straight line. Je peux servir the principle of a kite, the properties of a kite. Je peux servir the pair of opposite angles qui nous tient prendre et puis nous vous avez isosceles triangle. Ok, je vais le faire les autres même. Si je récit fait ça, enfants, eh bien, c'est ce qui m'a dit, hein? Chapeau, bravo, je vais finir ici, master, geometry. Moi, vous dire, 95%, ou even 100%, yeah. Et ça, pour faire vraiment plaisir, si vous récit fait des voilà, je t'avoue, moi, je ne sais pas vraiment si je récit fait lui. Ok, c'est une question d'examen, forme 5. Imaginez si vous récit fait pour moi qui était content, moi, vous content. Alright, allez, moi, les autres maintenant, moi, le domi. Et. Qui donne les affaires, moi, la pute, j'ai tout à yes, we can. Vouloir, c'est pouvoir. En nous, non. Ok, allez, bye bye, vous autres. Ciao, bonne nuit, bye.